Ah oh, d'accord. C'est Fraps qui fait les siennes comme d'habitude. Salut tout le monde, c'est TheBullyRot9, ça faisait longtemps. Hein? Ouais, ça faisait longtemps. Et on est aujourd'hui sur un jeu énigmatique qu'est Minecraft, qui depuis que j'ai mon PC n'a pas bougé d'un chouïa en termes de graphisme, et qui pourtant ne tourne plus. Ne me demandez pas pourquoi, ça a toujours très bien fonctionné, et depuis quelques temps, eh ben, ça fonctionne moins bien. Enfin bref, surtout quand il y a Fraps, parce que bon, quand je suis tout seul, évidemment, ça faut... Bon, Minecraft, on va dire que... Tiens, vous voyez là, ça lag? Pourquoi? J'ai juste sauté. Enfin bref, c'est pas grave, de toute façon, c'est juste parce qu'on est en haut les cieux, voyez-vous. On est les maîtres du monde, sur mon observatoire de Swaggy, lol, et bien, et vous dire que cette série a commencé il y a 2 ans maintenant, même un peu plus. Qu'on doit être l'épisode 6 ou 7, pas plus. Oh là là, le gros bordel. Et que, bah, si je suis là, c'est pas le moment parce que j'ai des choses à vous dire, que je savais pas à quoi jouer, et que du coup, bah, j'ai relancé Bullion's World. Et vous connaissez ce dicton, on va dormir. Vous savez quoi, on va dormir parce qu'on va pas. Moi, je voulais vous faire une introduction dans le soleil couchant, voyez-vous, mais du coup, on va dormir. Vous savez ce qu'on dit, qu'on. On ne. On. Merde. On trouve toujours ce qu'on cherche quand on ne le cherche plus. Et bien c'est exactement ça, souvenez-vous que j'ai passé absolument tous les autres épisodes, sauf peut-être le premier, voire le deuxième, j'en sais rien, à chercher, très intéressant, du sable dans un fond, à chercher une mine, à chercher une grotte qui ne s'est jamais présentée à nous. On a toujours été très malchanceux et là je me dis fuck it. Je vais descendre tout droit dans le sol, je vais trouver du diamant, je vais trouver de la lave, et on va aller dans le nether parce que bon, des grottes ici il n'y en a plus. Et qu'est-ce que je trouve? Deux grottes! Allez, c'est parti, bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre de cet observatoire magnifique du génie de Satan. Oula, je suis dans la vitre. Ah, intéressant, excellent. Ouah! What the fuck, man? What the fucking shit, man? Ok, ok. Ah non, je veux pas mourir comme ça. Non. Ah. Ah. Quoi? Pourquoi? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu calme le jeu. Now. Immediately. Please. J'ai 18 en anglais au bac. Wouhou. Eh, ça va pas le faire, ça race. Bon, c'est pas grave. On va ressusciter, évidemment. Où est-ce qu'on ressuscite? Au pire endroit du monde. Pourquoi on ressuscite au-dessus du lit? J'en n'en sais rien du tout. C'est quoi ce jeu, les mecs? Putain, l'alpha c'était il y a 2 ans. Oh, sérieusement, ils ont fait une période d'alpha et de bêta incroyable. Elle a duré à peu près 5 siècles. Et pourtant, on se tape encore des bugs de l'enfer. Enfin bref. Blouf. Voilà. Allez, on va chercher nos affaires. De toute façon, j'avais 4 niveaux, donc qu'est-ce que ça me fout? C'est pas bien grave. Alors. Ah bah de toute façon je vais les récupérer mes 4 niveaux, peut-être pas en entier mais en partie. Alors on va récupérer nos affaires déjà. Ce sera une bonne chose, sachant que j'ai toutes mes torches et tout sur moi. Ah non, c'est un poulpe, je croyais que c'était encore une partie de nos affaires, que c'était barré jusque là-bas, j'aurais trouvé ça bizarre. Je vérifie quand même qu'il n'y en ait rien ici. Non, il n'y a rien ici. Je crois pas avoir tout récupéré ici. Non, il y a des choses qui traînent encore ici bien sûr. Du coup j'ai dû abîmer mon armure, voilà, très très bien joué moi. Bon. Ça commence bien, j'ai mis un bloc de cobblestone absolument swaggy dans cet arbre et c'est génial. Alors j'avais des choses à vous dire, je vous l'ai dit, tiens on va déjà mettre ça. J'avais des choses à vous dire dans cette vidéo, tout simplement, que je n'ai pas été là pendant depuis un moment parce que j'ai passé mon bac, je viens de vous le dire, j'ai eu 18 heures d'anglais, c'est nickel. trop fier. Et que j'ai pas posté de vidéo depuis longtemps et je vais vous expliquer le pourquoi du comment de l'avancement des choses. Oui, parfaitement, impeccablement. Déjà. On a terminé Tomb Raider, c'est une très bonne chose. On a terminé Tomb Raider et on n'a pas commencé la suite, mais pourquoi? Pourquoi? Oui, dites-moi pourquoi. Alors que c'est la série que mon seul viewer Bibri il veut voir, Tris of Persia n'est pas disponible simplement parce que j'ai un Dazzle, il est posé sur l'étagère derrière moi. J'ai opté pour un truc avec... en fait, le Dazzle ne suffit pas à lui-même, il me faut... Il me faut d'autres câbles parce qu'en fait, si je veux enregistrer, il faut que je branche la PS2 sur le Dazzle. Le problème, c'est que si je le branche direct dessus, je peux pas le brancher en même temps sur la télé. Donc il faut que je fasse un système de câblage pour que l'image sorte à la fois sur le Dazzle et sur la télé pour pouvoir l'enregistrer et jouer en même temps. Et ceci est qu'il me manque actuellement un adaptateur parce que je pensais que c'était bon, mais en fait, je ne l'ai pas. Et il me manque aussi le CD d'installation du logiciel que le mec qui m'a vendu le Dazzle l'a oublié de me donner en même temps. Donc actuellement le projet est en blocage total. Et bah ça va arriver d'ici peu, ne vous inquiétez pas, on n'a jamais été aussi proche du but. Donc ça déjà c'est fait. Pourquoi je suis dans mon coffre? Dites-le moi les gens. Il n'y a aucun intérêt à ce que je sois dans ce putain de coffre. C'est l'autre, voilà, je voulais du pain pour ça. J'ai pas assez de pain sur moi. Hop, je vais m'en donner
3 en plus. Bon, j'en suis dans les 4. Je suis fou, les gens, je suis fou. Autre chose. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Ok. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Un arc. Est-ce que j'ai un arc à ça? Oh, un arc puissance 1. Je vais prendre celui qui est à peu près potable encore, quand même. Je vais ranger ma pioche ici. Est-ce que j'ai besoin de ça? Je vais garder le petit truc de 42-39, là, ça peut toujours servir. Ma pioche, ouais, bon, bah, va la péter, qu'est-ce que je vous dise. Et voilà. Hop. Impeccable. Donc, j'ai un autre projet qui est en cours. Souvenez-vous, pour les anciens de la chaîne, c'est-à-dire personne. De toute façon, il n'y a personne sur ma chaîne, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais en gros, bah, pour... J'avais essayé, il y a 2 ans, de faire des... j'ai rien d'autre à construire. Est-ce que j'ai quelque chose à construire? J'espère pas, les gars. Ah, tiens, je vais ranger ça. Déjà, alors, il y a... Qu'est-ce que je racontais? Je ne sais plus. Si, il y a 2 ans, même plus, j'ai essayé de faire des tests en vidéo de jeu et ça avait donné quelque chose de plus ou très moins concluant. Bon, c'était pas si dégueulasse que ça, mais clairement, c'était rien de particulier, c'était pas terrible. Donc, vous voyez, j'ai commencé à creuser pour trouver du diamant et vous allez voir que je suis tombé sur plein de choses du coup. Donc, j'avais essayé de faire un test, des tests, et ça s'était pas avéré extrêmement concluant. Et je me suis dit que je vais rééditer l'expérience, mais sous une autre manière, je m'explique. Il y a tellement de gens qui font des tests sur internet. Il y a, bah déjà, il y a des sites qui sont faits pour ça, pour tester. Alors, attendez, est-ce que je suis déjà arrivé à mon. Ouais, je suis déjà arrivé à la grotte. Donc, vous voyez que ici, j'ai posé du cobblestone. En fait, c'était juste pour bloquer une autre grotte pour revenir plus tard. Et donc, je suis tombé sur ça où je pouvais pas continuer complètement. Waouh! Vous vous calmez, les zombies! Donc j'ai décidé de rééditer l'expérience, mais sous une autre manière, parce qu'il y a des sites spécialisés dans les tests et tout. Et justement, je me suis dit que tous ces tests n'étaient pas nécessairement extrêmement fiables. On a déjà cassé cette pioche. Je vais, comme d'habitude, sursauter au moment de la fracture de la pioche. Sinon, c'est pas drôle. Bon, d'accord. Alors, je suis un bloc à côté de ce que je voulais faire. Génial. Donc ils sont pas fiables parce qu'il y a énormément de jeux où les gens ont vu un test qui a donné un avis positif alors que le jeu était pas terrible. Exemple Call of Duty Ghost, quand même. Bon, j'ai pas pu le tester personnellement, mais voilà, c'est bon, c'est cassé. J'ai même pas sursauté, vous pouvez m'applaudir, les gens. Donc Call of Duty Ghost, où quand on voit la note sur JVC qui est de 15 sur 20, si je me trompe pas, et la note donnée par les joueurs qui est de 9 ou 8, je sais plus. Enfin bref, c'est pathétique quoi. Je voulais me faire une deuxième pioche, c'est ça que je voulais me faire. On cut les gens et on revient. Donc je disais que les tests étaient... Je me suis fait 2 pioches, mais vous avez vu, je suis un fou de la rue moi. Donc je disais que les tests n'étaient pas forcément toujours fiables, pas forcément toujours à l'image de ce que les gens pensaient réellement du jeu. Et donc je me suis dit dans ma grande quiétude que j'allais faire une émission spécialement dédiée à ce genre de situation. Pas nécessairement ce genre de situation d'ailleurs, mais ça va pas être un test au sens propre du terme. Comment je vais faire là? Je vais faire ça comme ça. Tac. J'ai fait une connerie. Non, c'est bon. Alors, je vais pas faire un test à proprement parler, c'est-à-dire que je ne vais pas donner une note finale au jeu et tout ça et tout ça. Mais je vous expliquerai ça de manière plus précise plus tard. En gros, ça va. Le but de l'opération va être. Oh bah direct de l'or, tiens, nickel. Ah, excusez-moi, téléphone. Décidément, on peut pas être tranquille quand on veut faire une vidéo. Hein. Donc, je sais plus ce que je disais du coup. Ce coup-ci, j'ai pas retenu ce que j'étais en train de raconter. J'ai juste placé une torche ici pour pas me faire surprendre par un monstre venu de l'enfer, vous voyez. Bon, bah, dis tout, je vous parlais de mon émission. Mais de toute façon, je vais vous dire. Enfin, mon émission, c'est très vite dit. Hein, j'appelle ça une émission, mais c'est pas une émission. C'est des vidéos faites à l'arrache. Enfin, à l'arrache. Ce sera plus travaillé que d'habitude. Que là, beau jour, je me mets devant mon PC avec un micro dégueulasse qui date d'il y a 50 ans. Et je vous parle. Ce sera un poil plus travaillé. Mais forcément, j'ai pas beaucoup de matériel à disposition et tout. Donc, ce sera très rudimentaire, comme d'hab. What? Quoi? Ah d'accord, c'est un creeper qui est en train de mourir. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quelle manière. Et je veux que tu restes faire tes choses dans ton coin, mon gars. Cordialement, merci. Hop. Et il y a du lore. Alors je ne sais pas si ça va me servir à la limite pour faire une pomme d'or. J'aimerais avoir une pomme qui traîne quelque part. J'ai toujours rêvé de me faire ça, une pomme d'or, j'ai jamais réussi. Enfin, j'ai jamais réellement essayé, mais je me dis tiens nickel, ce serait trop bien un jour si je pouvais y arriver. Alors attendez, il y a un squelette qui se ramène. Je ne sais pas où il est. On va partir par haut. J'ai l'impression qu'il est par en bas, donc on va aller par en haut et on va bien voir. Alors, cette grotte a l'air vachement plus développée que les autres qu'on a pu explorer. Bon, c'est à peu près d'ailleurs tout ce que... Ah putain! Parmi les zombies, ta gueule! Casse-toi! T'es où? Casse-toi! Je te tape avec un arc, moi je suis un malade mental! Je suis un malade mental! Voilà, c'est bon, il est mort. Ok.
Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour YouTube en particulier. Donc ça arrive pour le let's play sur Prince of Persia. Ça arrive aussi pour un petit projet un peu plus travaillé parce que j'en ai marre de faire que des vidéos comme ça à l'arrache. J'avais envie de me faire... J'aime bien faire un peu de montage de temps en temps. Donc voilà, il y aura aucune oh putain merde. Il y aura aucune régularité dans ce projet. Mais ce sera quand j'aurai envie, quand j'aurai un jeu qui m'intéresserait à faire cette émission dessus. Alors que c'est le bordel, putain, il doit y avoir un spawner à araignée. Doit y avoir un spawner à araignée dans le coin. Hop, on va placer ici une torche et on va aller par là, tiens. Hop, ok, il y a des ressources. Donc c'est aucune régularité là-dedans, vraiment rien du tout. Ce sera vraiment juste pour m'amuser. Enfin, de toute façon, pour le peu de public que j'ai, je vais pas faire chier. Hein. Hop, ok, bon, ça continue par là, mais pour l'instant, on va rester là. Oh, j'ai oublié l'XP là-bas. Tellement important l'XP quand t'as pas de table d'enchantement. Hop, alors que j'entends un zombie quelque part derrière moi. Ah, il est là. Ah, putain de tarasse! Il y avait un creeper, j'ai entendu un creeper. Oh, les brains! Oh, le brain! Oh, le brain! Oh, yeah, Call of Duty. Hop. Ah, putain, il va péter. Non, non. Tarasse, tarasse aussi. Meurs! Voilà, putain, ça fait tellement longtemps que je suis pas revenu sur Minecraft, les gars. Déjà, rien que pour crafter, c'est... Ah, putain, mais il y en a combien, les gars? What? Attendez, j'en entends encore. Eh, je vais passer en facile, hein. Attends, normal, là, je vais jamais y arriver, ça fait... Eh, mais ça doit faire au moins 6 mois que je suis... Enfin, déjà, ça fait 6 mois que je suis pas revenu sur cette partie. Et, bah, la dernière fois, c'était à la One Again Beast to Fly avec Gotok, et j'étais mort plein de fois, donc ça compte pas, on va dire. Oh là là, mais pourquoi je suis revenu faire ça, moi? Alors, attendez, c'était pas de l'obsidienne par terre? Non, c'est pas du tout l'obsidienne, d'accord, très bien. Cordialement. Ça continue encore par-dessous, mais j'ai vraiment découvert une grosse grotte, moi. Je me disais que c'était bizarre aussi qu'il n'y en avait pas sur cette carte. Ah là 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 là. Du coup, ils m'ont coupé, je sais plus ce que j'allais dire. Ah, non, je sais plus. Donc, bon, bah, ça arrive pour les let's play et tout. Ah, bah, voilà, je sais, j'avais un dernier truc à dire, c'est que... Bon, vu qu'il n'y a qu'une seule personne qui regarde mes vidéos et que je sais que c'est depuis un iPad, personne n'a dû s'en rendre compte, mais ça fait au moins 20 vidéos que j'ai pas mis les annotations sans mes outros. Ça me fait chier, j'ai pas envie de le faire, donc j'abandonne les... Là, j'abandonne, parfaitement. J'abandonne les outros, je laisse tomber. Alors, je vais... Enfin, j'ai pas laissé tomber au sens propre du terme, parce que j'aime pas les vidéos, je trouve ça moche, les vidéos qui se terminent comme ça, juste par le mec qui dit au revoir, et puis c'est tout. À la limite, si j'avais une caméra, je ferais un peu la mode PewDiePie, un petit geste vers la caméra ou quelque chose pour vraiment finir la vidéo. Mais je n'ai pas de caméra, je fais tout ça à la One Again sans facecam, donc ce n'est pas possible techniquement parlant. Donc je vais me créer une outro à la sauce intro, c'est-à-dire une animation à la fin, je vais voir ça, je vais faire ça tranquillement, paisiblement. Donc il n'y aura pas d'outro à cette vidéo, ça va se finir comme j'aime pas, c'est-à-dire à la One Again complètement. Faut que j'arrête de dire à la One Again, ça fait au moins 6 fois que je le dis depuis le début de la vidéo. Donc j'abandonne les outros, voilà, c'est aussi simple que ça, je vais me faire une petite outro en mode animation très très rapide avec une petite musique sympa, juste histoire de terminer les vidéos et c'est tout, parce que franchement mettre les annotations à chaque fois, alors autant créer les outros et tout, de mettre une petite image sympa en rapport avec le jeu et tout, j'aimais bien, autant bah du coup ça n'a plus aucun intérêt si je mets pas d'annotation et ça m'énerve vraiment passivement de mettre les annotations, parce que plus ça va, alors déjà parce que j'ai la flemme, oh putain de tasse, parce que j'ai la flemme de le faire, va-t'en créature de l'enfer, créature de l'enfer, ah voilà, excusez-moi. Mais arrête de faire le bruit, tu es mort. Ne me fais pas croire qu'il y a un autre creeper, il n'y en a pas. Tu es mort, d'accord? Passablement, cordialement. Hop. Il venait d'où? Il venait de voir là-bas. Hop. Je ne sais pas. Bon, ça continue vraiment par là-haut, donc je vais rester un peu ici. Donc voilà, ça m'énervait. Donc déjà, de placer les annotations, c'est bah, un peu long, hein, tout, donc c'est un peu chiant à faire. Mais jusque-là, je le fais depuis très longtemps. Bah, en fait, je crois que la première vidéo... où j'ai fait ces annotations, c'était le premier épisode de Billions World. C'est pour vous dire que ça fait 2 ans que je mets des annotations. Enfin, 1 an et 9 mois, si on compte que ça fait 3 mois que j'en ai pas mis une. Mais vraiment, ça me faisait, bon merde, il faut que je le fasse et tout, mais c'est pas grave quoi. Mais vraiment, au fur et à mesure, j'ai vu l'évolution du système YouTube en lui-même. Et on parle souvent des bugs d'abonnement, tout ça, tout ça. Quelque chose marche vers moi, je ne sais pas où il est, c'est pas grave. Mais... on parle jamais, les youtubeurs parlent jamais de ce qui se passe. Hop, lui je vais me le faire. Où ça mon gars, je t'entends marcher, je ne sais pas où tu es. Tu es au-dessus de moi. Donc on parle souvent des bugs d'abonnement et tout, mais on parle absolument jamais, les youtubeurs parlent absolument jamais de ce qui se passe
derrière de ce que eux font sur YouTube. Et tous ceux qui y mettent des animations, je pense, vont comprendre ce que je veux dire. Quand je vous dis que le système d'annotation, même si ça fait un moment, peut-être ça a été réglé, je suis pas retourné dessus, le système d'annotation devient de plus en plus merdique. Franchement, quand j'ai commencé à mettre des annotations, c'était un système absolument nickel. Tu prenais un moment de ta vidéo, tu disais voilà, je veux que mon annotation dure tant de temps. Tu disais, tu ajoutais un lien sur l'annotation ou un texte, tu la mettais avec ta souris et fini la poésie. Maintenant, déjà, le système d'annotation a changé, enfin, dans le sens où l'interface pour mettre les annotations a changé, donc c'est devenu vraiment beaucoup moins bien qu'avant. Et en plus, l'annotation, quand tu mets, tu vois, tu te mets au moment de la vidéo, tu veux que l'annotation commence, normal. Et la dernière fois que j'ai mis des annotations, quand je cliquais, putain, mais ça continue encore derrière les mecs, quoi. Quand je mettais l'annotation, elle se mettait 6 secondes ou 5 secondes, je sais plus, après le moment où j'étais rendu la vidéo, c'est-à-dire qu'elle se mettait pas exactement là où je disais de se mettre, mais il fallait que je la réavance, et elle durait approximativement 30 secondes ou un truc comme ça. Enfin, c'était absolument horrible, c'était dégueulasse. Tu passais ton temps en fait à dire, mais non, je veux pas que mon annotation aille dans ce sens-là, je veux pas qu'elle fasse ci, je veux pas qu'elle fasse ça, je veux juste mettre une annotation, comme c'était depuis plusieurs années et que ça fonctionnait extrêmement bien. Et voilà, bon, c'est le mystère de YouTube de pourquoi ils font des trucs de plus en plus pourris alors que j'ai l'impression que le squelette me suit et je peux plus le voir parce que je viens de couper la lave. Donc voilà, c'est vraiment YouTube qui fait des choses extrêmement bizarres. Oh putain, il est là! Du lapis lazuli! Ah! Putain! Il va venir. Je l'attends de pied ferme. Où il est? Je l'entends qu'il arrive. Ah! Bitch! Voilà, c'est moi le plus fort. Hop. Donc voilà, c'est les choses bizarres que fait YouTube. Et on ne veut pas en savoir plus. Bah écoutez les gars, je suis content en tout cas d'avoir trouvé une petite grotte, parce que c'est vraiment sympa du coup de se faire une petite vidéo comme ça avec des petits jumpscares, vois-tu, c'est un jeu d'horreur Minecraft maintenant. Et ah putain, casse-toi l'eau. Oh vas-y, je m'y attendais pas, j'ai cru que c'était de la lave. De la lave bleue, bah oui pourquoi pas, disons. Hop, ok. Mais faut m'expliquer, ça fait deux fois que j'entends un mob mourir tout seul et je ne comprends pas pourquoi. Alors est-ce que ça se noie? D'accord, j'ai retrouvé mon charbon. Hop, je vais placer une torche ici pour pas que les monstres viennent me faire chier. Une autre par là. Ah la creeper! Putain! On mange! On commence à avoir faim, on mange. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà, je mange du pain. Le creeper, je mange du pain. J'ai mangé du pain, tu peux pas me test! Viens pas me chercher. Viens pas me chercher! Putain, il est encore là. Bitch, 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 bitch. Et mes crêpes, putain. Voilà, bitch. Yeah. Gunpowder, bitches. Ok. Je pense qu'on va remonter. Je pense que c'est assez pour cette vidéo. Écoutez, j'en referai d'autres parce que sur cette carte, parce que vraiment, ça m'a plu de. Je l'ai pas creusé avec une pioche en fer, quel blaireau. Enfin, de toute façon, c'est de l'or, c'est pas très très intéressant. Mais enfin bon, on va remonter, on va mettre toutes nos ressources qu'on a récupérées. On n'a pas récupéré grand chose, mais c'est déjà ça. Dans notre. Pourquoi il veut pas ramasser les trucs qui sont dans l'eau? C'est bizarre. On va récupérer. On va récupérer les ressources qu'on a. Enfin, oh là là là, je me suis embrouillé. On va remonter, remettre les ressources qu'on a récupérées là où elles doivent être. La prochaine fois, j'essaierai de trouver du diamant ce coup-ci. C'est de là que je montais, oui, c'était parfaitement là. J'essaierai de trouver du diamant pour aller dans le Nether. On pourrait encore faire quelques petits passages dans les croix, c'est toujours rigolo. Mais le Nether, c'est quand même vachement plus sympa. On va vraiment se marrer, je pense. Donc on va faire ça. On va faire ça. Je vais revenir sur ce Bullion's World. Ça fait tellement longtemps. Ça faisait depuis janvier que j'étais pas revenu sur cette partie de Minecraft. Et je vous avoue que Minecraft m'avait un peu manqué. C'est vraiment sympa comme jeu. Il faut faire des longues pauses pour l'apprécier pleinement. Alors, on va faire dodo. Et après, on va se quitter. Ok. Ah, Bullion a fait une terrible chute. Oui, c'est resté au début de la vidéo. J'avais oublié le gros bug. Ah là là, Minecraft, le jeu qui bug de plus en plus. C'est pas grave. En plus, j'ai vu que sur la sur la truc numéro 8... Non, c'est dans le four qu'il faut que je mette. Sur la... Dans la truc numéro 8, merci Bullion. Dans la... Putain, je suis vraiment en mode bug aujourd'hui. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Sur la snap... La version 1.8, putain, je vais y arriver. Ils allaient encore rajouter des nouveaux blocs et tout. Donc, vraiment, les gars... De chez Minecraft, vous devez être toute une petite équipe maintenant. Je vous en supplie les gars. Je vous en prie. Je vous en supplie, resupplie, re prie. Arrêtez de mettre des nouveaux trucs. On s'en bat les couilles. Vous arrêtez pas de nous mettre des nouveaux trucs. Ça sert à rien.
Et fixez tous les bugs qu'il y a dans Minecraft, s'il vous plaît. Et surtout, fixez ces putains de trucs de performance bizarres. Qu'une partie que j'ai créée il y a 2 ans et qui fonctionnait sans aucun problème, là, quand je suis en dehors de chez moi, soit à 20 FPS, s'il vous plaît. Merci cordialement. Hop. On va se créer un autre four et on va le poser. Hop. Hop, impeccable. Et on va le poser là-haut. Remarque, on peut le mettre où? On va le mettre là. On va le poser là, à côté de notre lit, tout va bien. Hop, on aura chaud la nuit. Hop, on va mettre le charbon dedans. On va mettre le fer. Et on va se laisser là. Allez, salut les gars.